Ok, donc toujours en New Game Plus 2, toujours en New Game Plus 2, donc niveau 269, donc j'ai 99 en vigueur, là j'étais en train d'augmenter ma force, donc 70 ça me paraît très bien, et là je suis en train d'augmenter la dex pour pouvoir porter le katana de Malenia, qui demande quand même 48 en dex. Alors je vais pas faire 48, hein. Je vais pas faire 48, mais je vais prendre assez. Alors il est où déjà? Je l'ai loupé. Mais je vais faire assez pour que quand j'utilise un arc runique et les talismans, bah, de quoi avoir, de quoi pouvoir la porter. Hein. Putain, c'est dingue. Je ne la vois plus. Voilà, il est là. La main de Malenia que j'ai à plus 9. Ok, ouais, donc évidemment son scaling est orienté en dex, hein. Tu m'étonnes, avec 48 en dex, donc voilà, alors donc là je suis arrivé à l'arbre sacré de Malenia, et mon but c'est d'aller à Elphael. Alors c'est pas tant pour tuer Malenia, parce que je ne suis pas obligé de la tuer pour finir le jeu, mais c'est plutôt pour récupérer les pierres de forge de dragon ancien, qui me permettront de mettre des armes au maximum. Hein. Déjà là, j'en ai une ou deux là qui traînent là. Faudrait que je vois ça là. Attends. Faudrait que je vois ça. Alors, attends, dans l'inventaire. Ouais, j'en ai une. Une pierre de forge sombre. Ouais. Donc là, je peux mettre par exemple le katana de Malenia. Je peux le mettre à fond là, par exemple. Alors je sais pas quelle arme je vais augmenter là, je vais mettre à fond, faudrait que je me décide à tête reposée quand je serai face au forgeron. Parce que là, hein, ici, c'est un petit peu compliqué. Parce que y a pas mal d'ennemis qui font de la magie au loin, et surtout il y a le vide. Et le vide, c'est le pire ennemi, c'est mon pire ennemi dans les jeux vidéo, c'est le vide quoi. Parce que encore là, ces ennemis-là, ils sont pas hyper compliqués à battre, mais quand il y a le vide en dessous, ça devient beaucoup plus compliqué. Voilà, donc lui, je l'ai expédié. Allez, on se concentre et on essaye de faire bien les choses. Voilà, c'est là que c'est compliqué là. C'est cette ligne droite là précisément qui est compliquée. Parce que là, il y a des fleurs qui lâchent de la putréfaction écarlate. Et il y a ce foutu magicien qui balance. Voilà, hein, c'est Dragon Ball Z. Mais ça vaut le coup de s'arrêter pour prendre ça. Parce qu'il y a quand même une rune d'une humaine qui rapporte de mémoire, je crois, c'est 50 000 runes. Hein. Voilà, bon bah c'est bon, là j'ai fait le plus dur, enfin le plus dur là de cette première partie de cette zone. Hein. Voilà, la deuxième partie, ça va être d'activer le raccourci. Ça va être d'activer le raccourci. Alors, j'ai envie de changer un petit peu de d'arme. Je m'étais fait celle-ci. Alors... En fait, je vais voir quelle arme je vais passer à fond. Donc, je reviens toujours au début de liste. Alors, je peux mettre soit celle-ci à fond. La Redouvia, la lame du devoir. Donc, ah tiens, celle-ci, tiens, pourquoi pas la tester celle-ci? Ça fait longtemps que je l'ai pas, et puis je l'ai jamais vraiment testée. Ouais, je vais faire ça.
J'ai la Moonlight que je peux mettre à fond. J'ai l'épée de chevalier de troll aussi. L'espadon fusionné. La lame ébène que j'ai pas testée encore. L'espadon fléau désastre. Ah non, je vais mettre la spirale sanglante. Ouais. Je vais le faire maintenant. Je vais mettre la spirale sanglante parce que. Parce que, en fait, vous pouvez désormais acheter des nouveaux objets. Ouais. Comme j'ai débloqué le. Ouais. C'est vrai que je peux en acheter des nouveaux. Alors, pourquoi la spirale sanglante? Non, je vais aller voir ce qu'elle vend. Si elle vend des arcs uniques, je serais preneur. Parce que la spirale sanglante, en fait, il y a une technique pour essayer de tuer rapidement Radagon, le boss final, que j'ai battu. Hein. Là, je l'ai battu, là. Mais je n'ai pas lancé la fin du jeu, parce que j'ai encore des choses à faire. Et voilà, et cette technique marche bien avec la spirale sanglante. Et outre le fait que c'est aussi une arme que, même si ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée, c'est une épée des stocks lourdes. C'est un nouveau type d'arme là dans ce Elden Ring. Épée des stocks lourdes. Alors, elle est où la spirale? Je l'ai loupée là. Ouais, elle est là, voilà. Allez, hop, c'est bon, c'est fait. Voilà. Je vais aussi voir ce que je peux dupliquer. Parce que là aussi, j'ai pas mal de souvenirs de boss. Et vu qu'il y a des armes et incantations que j'ai déjà, donc il y en a que je peux consommer. Donc lui, c'est bon, je suis en double. Lui aussi. Lui aussi. Et lui aussi, Morgoth aussi, hein, c'est bon, j'ai les deux, Radahn depuis, Rena là aussi, ouais. Bon, c'est bon, je pourrais tous les consommer, hein, parce que ça rapporte quand même un bon petit pactole. Hein. Cela rapporte un bon petit pactole de consommer les souvenirs de boss, mais il faut le faire uniquement quand je suis sûr d'avoir looté toutes leurs armes et incantations. Donc voilà, allez. Donc je vais m'équiper de. C'est vrai que. Ouais. Je vais mettre le marteau. Je vais mettre le marteau. Je vais enlever le bouclier. Je vais mettre le sceptre du loup enragé. Et je vais mettre. Je vais mettre de quoi gonfler la compétence. Consomme moins de mana et fait plus de dégâts. Compétence que j'étais encore en train de. Alors, non, en fait, attends. Ouais. Ouais. Je vais quand même mettre un bouclier. Mais que je vais garder de côté, parce que je vais essayer de la jouer à deux mains. J'étais en train de tester ça là, il y a quelques jours. Oh putain, je l'ai même pas vu. Putain, j'étais tellement sur mon menu. Voilà, c'est ça sa compétence en fait. Il met de la lave au sol. J'étais en train de tester ça là, il y a quelques jours. Histoire de voir si ça me plaît. Parce que vu que j'ai 70 en force, donc là. J'essaye de. Je me dis bon bah autant prendre des armes avec un scaling de force quoi quand même. Ça paraît logique. Alors là où ça mène où déjà? Ouais voilà, autant allier l'utile à l'agréable.
Donc en fait, le marteau que je joue, c'est le marteau de guerre putréfié. Donc j'ai mis à plus 24, donc il fait de la putréfaction écarlate. Hein. Donc il a une grosse puissance physique hein, avec un scaling de A en force, c'est moi qui l'ai mis, parce que j'ai mis la cendre de guerre lourde. Et à ça j'ai associé, donc c'est l'éruption là, voilà, qui est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ah ah, tiens, tiens, tiens. On va essayer d'y aller en scred. Voilà. Bon, j'avais déjà hein, ce talisman. C'est pas mal, hein. Mais pas mal cette compétence-là. Je sais plus où est-ce que je l'ai looté, mais c'est pas trop mal.
Ok. Bon, là c'était chaud hein, quand même. J'ai eu chaud. Faire attention hein, parce que j'ai tellement l'habitude de jouer avec le bouclier. Après, hein, je l'ai toujours. Hein. Il est là, hein, voilà, au cas où. Mais je préfère jouer. Enfin, je préfère essayer de jouer sans, histoire de varier un peu. Ouais, ça leur fait mal, hein. Tu vois, la boule de canon de ce bouclier, faut pas la sous-estimer, hein. Lui aussi, il faudrait que je le mette à plus 10 pour faire plus de dégâts à distance. Ouais. Voilà, très bien. Donc là, je peux mettre une arme normale à fond. C'est pour ça hein, que je viens là. Hein. Là, clairement, c'est même plus temps pour tuer Malenia. Hein. C'est plus pour avoir les pierres de forge. Après, c'est une pierre de coup, hein, parce que Malenia aussi, il faut la tuer, parce qu'elle donne tellement de runes qu'il faut pas que je m'en prive. Surtout qu'il y a une technique, malgré que c'est un boss qui est très difficile. Elle est sensible au saignement, donc. Du saignement, veux-tu en voilà. Hein. Donc, venir faire cette zone-là, c'est tout bénéf en tout point de vue. Quoi. Ça me permet d'augmenter au moins 4 armes à fond. Ça me rapporte aussi des pierres de forge. Hein, voilà. Mais surtout, ça me permet de. Et en plus de tout ça me permet d'avoir. Plusieurs armes à fond. Donc, voilà. Ce qu'on appelle un endroit indispensable. En plus, pour couronner le tout graphiquement, c'est beau.
Et il y a de gros combats, des ennemis puissants qui rapportent beaucoup de runes, enfin, il y a tout quoi, voilà. C'est même assez surprenant que ce soit pas un endroit indispensable, parce qu'on peut faire le jeu sans passer par cet endroit-là, hein, ce qui est surprenant. Alors, ici, c'est un petit peu délicat, parce que il y a les invoqueurs là, eux là, voilà, qu'il faut tuer absolument en vitesse très rapidement. Voilà, parce que sinon, là, je vais pas survivre. Non, je le tue pas assez vite là, c'est pas bon, c'est pas bon du tout. C'est pour ça, hein, ouais. Ouais, tu vois, là il perce ma garde. Non, non, là je le tue pas du tout assez vite là. Là ça va pas du tout. Là. Il faut que je remette des équipements, on va dire, entre guillemets, officiels. Voilà. Parce que là, je les tue pas du tout assez rapidement. Donc, il faut que je reprenne mon bâton putréfié à plus 10. Et que je remette le set de Radahn là pour avoir une meilleure défense. Parce que là, ça picote. Ici, je mets le talisman de force, voilà. Et ici, je me mets une défense. Alors, soit je mets de la défense physique ou soit de la défense. J'hésite. Là, pour le coup, je vais mettre ça. Voilà, qui me protège de tout ce qui est non physique. Je vais commencer par ça. Après, est-ce que je peux le toucher d'ici? Ouais, ici. Voilà, donc ça en fait un de moins et le deuxième il est en dessous. Il est là. Deux coups, ça suffit pas à le tuer. Ça se joue à un pixel de vie, hein. Ah oui, c'est vrai, il y en a un troisième. Bah oui, je suis en ouf. Ah, c'est con, hein. Ça joue vraiment à. Et ces petites merdes là, ils ont énormément de vie, hein. Tout est très vite compliqué hein, dans ces zones-là, mais surtout le moteur est complètement foireux. Hein, parce que là, j'étais à deux doigts de tomber pas mal de fois hein, dans le vide. Ça, c'est très mal fait. Hein. Visuellement, c'est beau, c'est plutôt soigné. Bah, bon, on connaît la DA de ces jeux-là, mais techniquement, ces jeux-là sont tombés aux fraises, mais de chez fraises. Hein. Et plus le temps passe, plus c'est de pire en pire. Hein.
Regarde, il est derrière le décor, c'est ça? Mais regarde. La technique ultime. Voilà, crève. Merci. Merci d'être passé. Voilà. Tout simplement. C'est pas magnifique, ça? Ah oui, là, à ce niveau-là, il faut en profiter. Hein. Surtout que là, j'ai beaucoup de runes sur moi. D'ailleurs, je vais mettre une branche sacrificielle. Là. Au cas où ça tourne mal. Hein. Comme ça, au moins, je pourrais directement passer le niveau. Et là aussi c'est compliqué. Bon, déjà parce que j'oublie déjà un peu où sont les ennemis, ce qui déjà en soi est une très mauvaise chose, mais c'est surtout là il y a les deux sorciers là. Alors donc ce que je vais faire, je vais essayer d'en tuer un. Parce que ouais, l'autre il va venir, alors ouais, ce serait bien que j'arrive à. Alors là, ouais. Vaut mieux que je consomme ça parce que j'ai plus de ressources. Voilà, il y en a un qui est mort, très bien. Je peux jouer un peu avec les hitbox de certaines attaques. Et là, franchement, j'attends, hein, parce qu'il est, il est trop puissant, à moins que... Ouais. Voilà, c'est bon. Alors par contre, je vois qu'il y a un ennemi au-dessus. Attends. On va régler ça immédiatement. Mince. Alors, il m'a rapporté 2700, je vois plus c'est qui comme ennemi. Ah merde. Ah ben c'est dans ensemble. Ok. Eh oui, je juste des techniques comme ça, hein, pas le choix. Oh
Ouais, c'est pas toujours que j'arrive à les tuer les deux sorciers en même temps. Je les fuis même, hein. Je les ai affrontés la première fois que je suis venu ici, évidemment, parce que je connaissais pas, mais depuis, franchement, je les fuis. Je les fuis les deux, parce que franchement, c'est chaud, hein. Vraiment, ils touchent de loin, leur magie me stun. Dès qu'on est au cac, ils font le... Ah ouais, putain, là, il faut que je réutilise, hein. Attends, il faut que je réutilise ça. Hein. Ouais, parce que là, je vais en avoir besoin, là. Ah mais non, mais putain, je suis bête, parce que là, c'est le raccourci, là. Donc là, je me serais ressourcé, bon, c'est pas grave. De toute façon, là, j'en ai plus besoin, ça. Ça sert de monnaie d'échange, hein, les lumières stellaires. Ça a deux fonctions, hein, qui sont très utiles. Ça sert de monnaie d'échange. Ouais, ouais, c'est vraiment bien pensé, hein, d'avoir mis le raccourci ici, puisque là, il y a un boss, il y a Loretta, quand même. Ouais. Donc ouais, ouais, j'avais pas besoin d'utiliser cette lumière stellaire. En fait, elle sert de monnaie d'échange contre Séduvis pour lui acheter des invoques. Mais elle sert aussi à restituer la mana progressivement. Ah oui, bah là du coup, par contre, les sorciers sont revenus, évidemment. Évidemment. Alors, donc là, je fuis. Hein. Là, je me pose même pas de questions. Et là, direction Loretta. Mimique. De quoi la stun rapidement. Petit coup de putréfaction. Pile poil, pile poil. J'ai pris le boost là pour avoir le plus de runes. Pile poil. Pile poil. Hein. Parce que c'est vrai que j'avais toujours la branche sacrificielle. J'avais oublié de l'enlever. Bon ben voilà. L'arme sacrée, c'est frais. C'est fait. Donc là maintenant, direction Elfael. Qui est aussi une zone. Une de mes zones préférées. Hein. Pff, c'est vraiment ouf. Par contre, ouais, là, dans ces zones-là, là, surtout dans ces New Game Plus, ça commence à devenir un petit peu tendax, donc là, je peux un peu moins tester. Mais c'est pas grave, parce que des tests, j'en ai fait 450, et qui sont tous aussi convaincants les uns que les autres, donc si je dois jouer un peu plus safe pour éviter de perdre du temps et de diminuer le risque de perdre des runes bêtement, bah je signe, hein, quand même, hein, parce que voilà, hein, c'est bon. Là, je pense que ça, c'est mon set, mon build officiel, hein, donc tank, arme lourde, avec le bâton putréfié plus 10, c'est très bien comme ça. À terme, je vise la lance de Mogwin, que là, j'utilise pas parce que, en fait, je fais pas assez de dégâts, parce qu'elle est orientée ésotérisme. Et voilà. Et donc là, l'ésotérisme, pour l'instant, j'en ai pas beaucoup. Enfin, j'en ai 27, hein, quand même. Hein. 27, c'est déjà pas mal. Mais voilà, je ferai ça quand je serai vraiment orienté ésotérisme. Ouais, tu vois, là, je vais remettre la défense physique. J'active ce site de grâce, ensuite je vais récupérer le... Ah, ça le stop carrément. Ouais. Une grosse défense là. Voilà. 21 000, putain, il m'a rapporté.
t'es 21 000, ouais, là c'est ça devient bouillant. Non, j'aurais pas dû me reposer, parce que là ça va le faire réapparaître. Mais c'est pas grave. Voilà. Cela n'est pas grave. Il y a juste à faire ça. Voilà. Voilà. Merci d'être passé. Donc à terme, oui, hein, je pense que ce sera cette arme-là, mon arme officielle. Mais je vais avoir envie de gonfler mon ésotérisme pour faire un max de dégâts. Et en attendant, donc ces bâtons putréfiés que j'ai là avec moi. Albarde dorée. Hein, parce qu'elle touche loin et elle est un peu plus rapide. Et ouais, la lance de Mogouin, ouais, je pense que ça va être ces trois armes-là, mes officielles. Alors, je peux rajouter aussi la lame blasphématoire aussi, qui est pas mal. Qui est plus que pas mal. Qui est absolument magnifique comme arme. Et la lame sacrée, voilà, c'est un peu tout ça, mes armes officielles. Voilà, allez, encore une arme à plus 25, ça c'est bien. Voilà. Voilà. Allez, je vais faire une autre vidéo pour Elfael.